vous avez également le droit d'avoir un avocat. Dans le cas contraire, le ministère public va vous l'offrir. Chef. Mets-moi ça derrière, chef. Laissez-moi au moins fermer ma porte, non. Au moins fermer ma porte. Qui va venir voler chez un bandit comme ça, comme toi? Avance, sortie. Il s'agit de travailler, il n'est jamais à son poste. Quand il s'agit de combo, il te sort tous les motifs du monde. Jamais ça s'avient, c'est devenu comme un chef. Et se retrouve face aux situations compliquées. Kucha. Oui. Il est jamais à son poste quand il s'agit de con. Bonjour mon fils. Et papa. J'ai perdu les clés de la porte centrale. Je vous apporte une chaise. Non, ça va. Je suis venu juste par rapport à notre rendez-vous. Ah ok. Donc comme vous ne voulez pas que je vous serve quelque chose de bien, un peu du bon vin ou du bon whisky. Non, ça va. Libère-moi juste et puis je rentre immédiatement. Ah d'accord, vous me donnez un tout petit instant. Ah, tenez. Merci beaucoup mon fils. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et bonne journée. Bonne journée papa. Il s'agit de travailler, il n'est jamais à son poste. Quand il s'agit de combo, il te sort tous les motifs du monde. Jamais ça t'avient, c'est devenu comme un chef. Major! Situation compliquée. Chef combo. Major Sikati, je vous appelle ou pas? Chef, je suis au garde-boue, je ne peux pas me retourner. Mais vous pouvez quand même parler. Parce que vous avez parlé, chef. Ok. Retournez-vous donc maintenant. Mettez-moi d'abord au repos, chef. Repos. C'est moi. Chef, prête pour vous servir, c'est moi. Où allez-vous? Non, chef, je courais comme ça à la maison. J'étais un coup d'œil sur madame que j'ai laissée malade en sortant. Elle est toute seule à la maison. Ok, allons-y. Non, chef. Laissez-moi partir. Bon, peut-être pas derrière son cas, c'est empiré, on l'a amené à l'hôpital. Laissez-moi courir et revenir vous rendre compte. Major Sikati, vous traînez 13 ans de service derrière vous. Et vous êtes mieux placé pour savoir combien ça coûte à un élément de mentir à son supérieur hiérarchique. Ne me faites pas perdre patience. Bon, pour vous dire vrai, chef, je courais comme ça pour lui laisser l'argent de la ration que j'ai oublié dans ma poche en sortant de la maison. Et de la façon dont je vous ai vu sortir, je suis sûr que vous n'avez pas demandé une permission. Chef, j'ai demandé à mon chef de section. Il m'a demandé de demander à mon commandant de compagnie. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant là. Pour une fois, je vais être indulgent avec vous. Parce que vous avez dit la vérité. Je vous accorde 2 heures de temps, pas plus. À vos ordres, mon valeureux officier. C'est moi.
Elisite. 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 C'est moi. C'est moi. Vous voyez comment les femmes sont? Je risque mon poste au commissariat pour elles. J'arrive à la maison, la bonne dame n'est pas là. Et je suis sûr que c'est comme ça qu'elle fait quand je vais au travail. Je l'attends ici aujourd'hui, elle va me sentir. Quand il s'agit de travail, voilà. Il est jamais voilà. C'est comme ça que tu fais quand je ne suis pas à la maison. C'est comme ça que quand je ne suis pas à la maison, tu fais, non? Qu'est-ce que j'ai encore fait, mon cher mari? Oui. Tu sors d'où? Tu sors d'où? Maman, j'étais où? Je suis allée chercher ce que tu n'as pas laissé à la maison en sortant le matin. Mauvaise réponse. Ça, c'est ce que nous, au commissariat, on appelle échappatoire. C'est un échappatoire, madame. Hein? Tu pars à tes rendez-vous suspects comme d'habitude. On te demande, tu me ponds des bêtises. Je suis allée voir la viande boucanée chez Mamani pour prendre un crédit et payer à la fin du mois. Mais seulement j'ai découvert que tout était pourri. C'est pourquoi je n'ai plus ramené. Je sais que tu es policier et que chez vous, il faut des preuves. Si tu ne me crois pas, on peut aller vérifier. Ça va. Il n'y a pas de preuves entre mari et femme. Ça va. Je te fais confiance. J'ai confiance en toi, ça va. Ok. Est-ce que je peux maintenant savoir pourquoi mon cher mari, chef Gombo, 13 ans de service sans bavure, major de son état, a risqué son boulot à cause de moi? Reconnu par le chef de l'état à travers ses différentes médailles. Maintenant, apporte-moi une chaise. Je vais te dire pourquoi. À vos ordres. Bon, chérie, je sais que je ne suis pas un mari parfait. Et peut-être c'est même pour ça que Dieu m'envoie un message. Attends, explique-moi, je ne comprends pas ce que tu veux par là dire. J'ai fait un rêve avant-hier. Mélène, commande-moi deux gros poissons à la dame là. Les plus gros de la bassine, c'est pour m'adulciner. D'accord, chef. Merci, chérie. C'est comme si tu savais que j'avais énormément faim. Je n'ai rien mangé depuis le matin. Ah bon? Allô, chérie? Oui, c'est quoi encore? S'il te plaît, est-ce que tu peux me garder une bière en rentrant le soir? J'ai trop soif. Je n'ai pas d'argent. Non, je suis au commissariat comme ça là. Je n'ai rien pointé depuis le matin. Je suis même des gardes. D'accord. Bon boulot, chérie. Merci. C'était qui, chérie? Le quatre-pierre que j'ai à la maison là. Ça me dit qu'elle a soif. Je suis la brasserie. Quand je souffre tous les jours au soleil, là, c'est avec elle que je souffre. Ma chérie, tu sais quoi? Mange et tu bois. C'est ton temps. Tu as compris, non? À la santé. Bonjour, ma belle. Comment tu vas? C'est moi. Prête pour vous servir? C'est moi. Chérie, c'est ta soeur. Oui, il t'a pas dit. Vraiment, mon frère c'est aussi. Il est trop timide, surtout quand il faut parler de sa famille. Servez-moi une bière au compte de mon frère. Il va payer, je bois vite, je pars, je suis pressée. Le goût c'est quel goût, madame? Le même goût que lui. Dans la famille, nous on boit que le même goût. Chérie, ta soeur te ressemble. Seulement qu'elle est plus jolie que toi. Merci, ma belle. Tu sais, je suis une femme et je dois m'entretenir. Et... les hommes ne s'entretiennent pas, ils n'aiment pas eux le nyanga. Comme mon frère. Santé. Santé, ma belle.
Mais ma belle, c'est comment? Comment vous pouvez boire sans manger? Il n'y a pas un bon piment ici. Si, il a déjà passé la commande de 2 gros poissons pour moi. Comme s'il savait que je devais venir. Waouh, super. D'ailleurs, je vais d'abord me vider le ventre avant de le recharger tout à l'heure. Mets-toi à l'aise, ma belle. C'est devenu comme un chef. Et se retrouve face aux situations. Oh, toi là, écoute-moi bien. Dès que je sors d'ici, si tu ne me suis pas, je vais revenir ici casser tout ce que je vois ici. Et tu vas payer. D'ailleurs, tu as commandé le poisson là où? Je vais aller précipiter la dame là. Elle fait vite, je mange avant de partir. Ça passe, ma belle. Mal. J'avais trop soif. Ouais. Ma chérie, excuse-moi d'être vilaine. Je n'ai même pas demandé ton prénom. Claudie. Mais lui m'appelle Claudie Chou. Et toi? Waouh. Joli prénom. C. Claudie Chou Chef. Ça va chauffer. Moi, c'est elezik.com. On double ta bière. Chérie, demande qu'on lui donne une deuxième bière en attendant le poisson. Non, ma belle. Tu sais que je suis commerçante. Je suis en train d'aller au marché. Si je bois 2 bières, ça va me troubler pour compter l'argent. Et tu n'attends plus le poisson? Non, la prochaine fois. Ok, dans ce cas, tu me donnes ton numéro. Quand je viendrai à Douala la prochaine fois, je vais t'appeler. On va causer entre nous femmes. D'accord. Donne-moi plus de ton numéro, je vais composer pour te biper. Comme ça, tu vas enregistrer. 659 99 59 63. Hey, j'avais oublié. Je n'ai plus de crédit. Mais il n'y a pas de problème. Dès que j'arrive au marché, là, je vais charger le crédit et puis je vais t'appeler, d'accord? D'accord. C'était un plaisir de faire ta connaissance. Moi de même. Même comme c'était très court. Bye. Bye bye. Je vais lui dire au revoir. D'accord, chérie, vas-y. Au revoir. Je vais lui dire au revoir. Quand il s'agit de travailler, il n'est jamais à son poste. Quand il s'agit de combo, il te sort tous les... Jusqu'à présent, je suis encore civilisée. Mais si on ne rentre pas à la maison maintenant, ensemble et tout de suite, je vais me déshabiller et je vais déchirer ta tenue. Oh, ça va, ma chérie. Ça va. Ça va. Va ici. Allons-y. Et si mon chef appelle maintenant? Tu vas décrocher, non? Je t'ai refusé le téléphone. Laisse-moi alors retourner au commissariat travailler. Tu as déjà 13 ans de service. Donc si on te révoque maintenant, on va aller au village cultiver le manioc. Peut-être c'est le chef Seka qui appelle comme ça parce que je suis parti sans lui demander la permission. C'est le même numéro. C'est elle. Si tu touches à ce téléphone, je vais le piler comme le tarot. Et se retrouve face aux situations compliquées. Chérie, pourquoi tu me fais ça, non? Tu sais très bien que je n'ai pas d'argent sur moi. Je vais payer les bières avec quoi? Et le poisson qu'on a commandé, je vais payer avec quoi? Même mon argent de transport. Chérie, pardon, ne me fais pas ça. Sinon, on va m'arrêter ici.
C'est ça que je voulais. Chérie, allons à l'intérieur. Fais quoi? Tu as gagné, non? Laisse-moi au moins aller travailler, non? Non, pas encore. Allons à l'intérieur. Je vais te donner ce que tu cherchais avec la fille là au bar tout à l'heure. Garde d'abord ça, non? Entre! Allons! Il s'agit de travailler, il n'est jamais à son poste. Quand il s'agit de combo, il te sort tous les motifs. Ouais, chérie. Et finalement, quand on est entré à l'intérieur là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, rien d'important. L'essentiel, c'est ce que je t'ai raconté là. Mais je ne vois pas le rapport entre le rêve et ton retour à la maison. Bien, j'ai pensé que comme je suis sorti sans te rationner là, et comme je le fais souvent, tu pries Dieu sur moi. C'est pour ça qu'il m'a montré ses rêves. Hey. Merci au Dieu de rêve. Qu'il te touche comme ça chaque nuit. Chérie, donne-moi alors une fois je peux au marché. Comme ça, on va même bien manger aujourd'hui. Bon, tu peux partir en paix maintenant, non? Non. C'est quoi? C'est petit? Je suis qu'un simple major, hein. Même le commissaire ne rationne pas 10 000 chez lui. C'est un faux billet. Quoi? Qui t'a donné ça? Il va me sentir. Tu vois, finalement tu as rêvé et tu ne m'as toujours pas rationné. Ah, vraiment. En tout cas, ce n'est pas mon problème. Bien reçu pour transmission à vous. Merci, courage. Major! Major, cours! Major, cours! Major, arrêtez-vous, revenez! Cette fois-ci, je vais te punir sans sentiment. Go, go, go! Go, go, go! C'est qui? Sors, c'est mon bébé traité. Hé! Hey, c'est comment, chef? Ce commando. Hé! Hey. Vous me reconnaissez? Mais, on était ensemble hier soir, non, chef Gombo? Hein? Comment, même si j'ai bu, moi, je dois vous connaître. Vous reconnaissez ceci? Mais c'est un billet de 10 000. C'est avec les mêmes coupures que j'étais remboursé hier. Le bon monsieur reconnaît ses faits. Vous êtes en état d'arrestation. Hé, hey, j'ai encore fait quoi, chef? Je tiens à vous rappeler que vous avez le droit de garder le silence. Sinon, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Vous avez également le droit d'avoir un avocat. Dans le cas contraire, le ministère public va vous l'offrir. Hé, chef. Mets-moi ça derrière, chef. Laissez-moi au moins fermer ma porte, non? Et au moins fermer ma porte. Qui va venir voler chez un bandit comme ça, comme toi? Avance, bandit! Avance! Avance! Aïe! Oh, vieux, vieux. Voilà mon chef qui arrive. Cachons-nous. Dès qu'il passe, hein? Avant qu'on parte. Là, je veux bien te gérer. D'accord? Parce que si tu te prends là, tu es mort. Alors, chef, au secours! Je suis en danger! Tu es en danger quand tu avais un policier? Ok, allons-y alors. Avance! Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Repos. Ça fait 4 heures de temps que vous n'êtes pas à votre poste pour 2 heures de permission. Abandon de poste. Je vous ai appelé ici tout à l'heure et vous m'avez ignoré. Refus d'obtempérer. Je vous ferai lire le règlement militaire avant de sévir. Chef, j'étais à la poursuite de ce délinquant. C'est un fabricant de faux billets comme vous le voyez là. D'ailleurs, hein, c'est lui qui m'a donné ça. Mais c'est pas possible ça. C'est possible, chef. Le vieux, vous faites encore des choses pareilles à votre âge? Mon fils, je vous jure au nom de mes cheveux blancs.
que je ne savais pas que c'était un faux pied. C'est quelqu'un qui m'a donné ça pour rembourser mes dettes. Vous avez quand même pris la peine d'identifier celui qui lui a remis ce faux billet, major. Parce que nous avons des informations nous signalant qu'il y a un important stock de faux billets qui circule en ville depuis un certain temps. Et je vous attendais pour cette mission. C'est Koucha, c'est lui. Chef, je connais le domicile de ce Koucha. Oui, je connais où il habite. Je le mets au frais et je vous y accompagne. Allez-y. Je t'ai dit aujourd'hui que tu allais me sentir. Bon, chef, on y va. Ok. Permission de décrocher, ça peut en dire. Allez-y. Oui. Il est au bas, hein? Ok. Est-ce qu'il est au courant que c'est moi que tu appelles? Ok. Sois tranquille, on arrive. D'accord? Chef, c'est le fameux Koucha, il est en train de boire chez Mélène. Il n'est pas chez lui. Direction bar de Mélène. À vos ordres, chef! En avant, marche! Je se retrouve face aux situations compliquées. Chef Combo. Major, vous allez par là et moi, je reste en sentinelle. Chef, c'est vous qui avez l'arme. Normalement, c'est vous qui devez entrer et moi, je reste en sentinelle. Major, ce n'est qu'une mission d'interpellation. Hein? Allez, allons-y. Chef, c'est vous qui devez entrer. Major, c'est un ordre. À vos ordres, chef. Allez, vous avancez, moi je reste en sentinelle. Allez. Quand il s'agit de travailler, il n'est jamais à son poste. Quand il s'agit de combo, il te sort tous les motifs. Oh, viens là. Venez là. Vous allez où comme ça? Avancez. C'est vous, monsieur Koucha? Ah oui. Oui, hein? Qu'on fait, vous sortez vos yeux comme les yeux de la grenouille Goliath pour me regarder, là. C'est vous qui avez remis un faux billet de 10 000 francs à papa Jacob, non? Non. Ah bon? Je tiens à vous rappeler qu'il est au commissariat pour une affaire de faux billet. D'accord? Et, monsieur, la police n'est pas là seulement pour faire du mal aux gens. Vous pouvez encore bénéficier des circonstances atténuantes. Dites doucement là où vous sortez avec ces faux billets. Et vous serez libéré. Non, c'est moi, mais je ne connaissais pas, chef. Ah, vous ne connaissez pas, hein? Je ne connaissais pas. Ok, on vous amène au commissariat. Attends, ouais, chef. Parlez. C'est quelqu'un qui m'a donné aussi. Il m'a aussi donné. Il m'a demandé de l'échanger. Ah bon? C'est lui qui m'appelle, je ne le connais même pas. Vous avez son numéro? Non, c'est lui qui m'appelle. Bon, nous allons vous amener au commissariat pour besoin d'enquête. Hein? Avancez, monsieur. Attends, ouais. Il a réglé sa facture, non? Oui, chef, il m'a donné un billet de 10 000. Il y a encore son reliquat ici. Apportez-moi le billet là-bas. C'est moi. Prête pour vous servir? C'est le même coupon. C'est pas possible. Toi aussi. Depuis combien d'années que tu vends au bar? Tu ne connais pas faire la différence entre un bon et un faux billet. On retient ça comme pièce à conviction, chef. Allez, les mains derrière le dos. Ne fais même pas ce que vous faites. Allez, avancez. Chef, et sa billet, qui va payer ça? Madame, ce billet est retenu comme pièce à conviction. Si vous avez un peu de temps, retrouvez-nous au commissariat pour complément d'enquête, compris? Avancez! Allez, avancez! Avance, chef! Quand il s'agit de travailler, il n'est jamais à son poste. Quand il s'agit de combo. Madame, ce billet est retenu comme pièce... Madame, cette
Ok. Madame. Madame, ce billet est retenu comme pièce à conviction. Et si vous avez un peu de temps, retrouvez-nous au commissariat pour compléter l'enquête. Chef, j'ai demandé à mon chef de section, il a... Je suis allée chez Mama Nye pour... Je suis allée voir la viande boucanée chez Mama Nye pour prendre à crédit. Mais le téléphone, c'est la sauce. Ok. Je peux maintenant savoir pourquoi monsieur mon mari, chef Gombo, major de son état, 13 ans de service, a failli. C'est failli, non?